qui est très amusant, c'est qu'à la fois les employeurs sont demandeurs et les salariés sont demandeurs sans le savoir. Parce qu'on n'imagine pas que le handicap, c'est aussi vaste que cela. On imagine que c'est le gros handicap qui empêche de travailler. Ça s'appelle l'invalidité. Et le handicap, c'est des situations qui, au quotidien, sont des petites gênes, mais cumulées, peuvent, à la fin de la journée, faire qu'on est obligé de compenser, alors que, parfois, juste le dire, ça permet de soulager de ce poids, d'être le seul à porter cela. Préserver la santé au travail. On est bien dans cette logique de permettre à une personne de mieux vivre au travail. Et c'est une thématique qui est à la mode aujourd'hui. Ça s'appelle la qualité de vie au travail.